Il y a une nouvelle relativement bonne. Le service de gynéco-obstétrique du CHU de Trècheville a ouvert ses portes après plusieurs travaux. 3,6 milliards de francs CFA d'investissement. C'est un bâtiment hyper moderne qui a été livré en présence du Premier ministre. La capacité est de 70 lits, 2 salles de travail, 5 salles d'accouchement, 2 salles d'observation, 1 salle d'examen, 3 salles d'opération et des salles de réanimation. Et voilà, donc 3,6 milliards qui ont servi donc à ça. Et c'est la bonne nouvelle. Voilà, c'est l'actualité. Le boulot, les maris n'aiment pas. C'est le seul boulot que les maris n'aiment pas. Ils n'aiment pas que les femmes n'ont qu'à partir là-bas. N'ont qu'à partir accoucher. Non, pas accoucher. En obstétrique, hein? Non, pas obstétrique. Pas obstétrique. Mais il va expliquer. Mais toi, tu as dit que c'est où qui est ouvert? Mais c'est le centre obstétrique, quoi, oui. Non, le mot, tu as dit premier, là. C'est en fait, c'est... D'accouchement gynéco. Gynéco. Bah, si. Ah, les maris n'aiment pas. Bah, si. Moi, il faut m'expliquer longtemps, je ne comprends pas très vite. Non, mais c'est pas faux, hein. Mais non, pas, vrai, sinon, pas faux. Mais non, non, ça. On n'aime pas. Mais non. On sait que c'est normal, c'est normal, mais c'est quand normal. Même pas. Bah, ouais, tête, mais mettez les femmes là-bas à la place. Attendez, Ami en train de se prononcer. Attendez, silence plateau. Vous parlez comme la chargée de porte, Vanessa Quadio. Silence plateau, s'il vous plaît. Non, je découvre. Vanessa se prononce. Je découvre parce que ça existe depuis des millénaires. Donc, c'est aujourd'hui que je découvre que les hommes, ils ne sont pas contents. Voilà. De toute façon, on ne dit jamais. Non, on n'est juste pas content du fait que quelqu'un d'autre mette... Non, c'est un gourmand en silence, quoi. Vous n'avez même pas envie. C'est la santé, c'est médical. On sait ça, mais on dit que si c'est une femme, là, ça n'a qu'à être une femme aussi. Il paraît que les femmes n'aiment pas consulter, n'aiment pas se faire consulter par des femmes gynéco. C'est vrai? Il y a des mailloticiens, non.